Bravo bravo les cirques Saint-Germain ouais Ouhouh Non bravo! bravo! qu'est-ce que je me suis bien régalé devant le match non franchement continuez Ah quel match qu'ils ont fait le, le cirque Saint-Germain Non il faut plus appeler le, le Paris Saint-Germain c'est le cirque Saint-Germain bah ouais! L'après-midi, bah le, 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 le cirque Saint-Germain, eh ben ils ont fait le cirque, ils ont fait on a bien rigolé Je vous avais dit qu'on a, on a bien rigolé, on a bien rigolé, on a bien rigolé, on a bien rigolé Ah et ouais Le Paris Saint-Germain ont perdu 3 buts à 1 face à Monaco Mais quelle marche Incroyable ce qu'ils ont fait, le cirque Saint-Germain Extraordinaire Non après la, la défaite face à Marseille en huitième de finale de la Coupe de France, hein, se faire éliminer dès le huitième de finale, eh ben là, en fin d'après-midi, eh ben le, par, le Cirque Saint-Germain, eh ben ils ont pris une, une tôle face à Monaco, 3 buts à 1. Ils nous ont pris une branlée. Monaco, ils ont fait l'amour. Eh ouais, là, c'était interdit, moins 18 ans. Non, franchement, je suis... Là, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, le Cirque Saint-Germain. Non y a pas de mot, y a rien à dire. Mais franchement, c'était dégueulasse. Qu'est-ce que je me suis fait chier Des bronchignottes sur le terrain. Vous avez pas honte Vous avez pas honte Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Vous jouez comme des chèvres. Onze chèvres sur le terrain. Bande incapable. Des mobiles sur le terrain. Des pots de fleurs. Vous avez pipi caca dans leur culotte. Non mais c'est bien, continué. Dans trois jours, en huitième de finale, allez face au Bayern Munich. Hein, on, va se mettre, on va se prendre une branlée face au Bayern Munich. Vous allez voir. Vous allez voir, on va bien rigoler ça aussi bro, pour mardi. Bande d'incapables, bande de guignols. Pendant 90 minutes, vous avez, vous avez complètement claqué. Vous étiez complètement à la ramasse. Vous avez fait un match de merde pendant 90 minutes. C'est la crise de Saint-Germain. Bah oui, c'est la crise Saint-Germain. Mais battez-vous! Mouillez le maillot! Mais non, vous n'avez pas de couilles sur le terrain! Des pots de fleurs sur le terrain, vu que vous avez fait pipi caca dans, dans leur culotte! Bah ouais! Non, mais c'est bien continuer à faire un match de merde face au Bayern Munich, hein, dans trois jours! On va se mettre une, on va se prendre une branle, vous allez voir. Chez nous, en plus. Bah ouais. En plus, il euh, y a pas Mbappé. Y a pas Messi. Verratti. Verratti nous prend pour des quiches, en fait. Hein, Verratti, il était là face à Marseille. Et puis là, il n'est pas là face à Monaco. Là, il nous prend pour une guignol, je suis sérieux. C'est quoi ce délire? En fait, il joue un ni oui ni non. Hein, il vient quand il a envie, hop, ah bah tiens je suis là face à Marseille et Monaco, non je suis pas là. Mais c'est un truc de ouf. Là me... c'est grave, ça devient grave. Je suis même pas sûr si je vais continuer à regarder le match jusqu'à la fin de la saison parce que là, là c'est trop, ça va trop loin, ça va trop loin, c'est, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est, ça, il me rend fou, il me rend fou, c'est, putain mais j'en ai j'ai plus le mot, ça, ça me commence à, ça me commence à me gaver. Bah ouais, première période. Ils ont fait un match de merde, c'était dégueulasse! Ignoble! C'était ignoble! Hein, dès la quatrième minute de jeu, eh ben, bah déjà, on prend un but! 1-0 pour Monaco! Non, mais c'est bien le cirque Saint-Germain, bah oui! Continuez à, à, à vous s'amuser et tout ça! Non, mais c'est bien! Continuez à faire des pots de fleurs sur le terrain! Et puis là, 18 huitième ligne du jeu Bichabu, Qu'est-ce t'as fait, bordel de merde Mais là en touche mais la en touche, dégage le ballon, je sais rien, fais quelque chose Mais non, il garde le ballon, hein Attrape de guiller, je sais pas quoi et ben il perd le ballon bêtement, et puis là, Beyader qui marque euh, son doublé, enfin non, il marque son but Et puis là, déjà 2-0 pour Monaco Merci Bichabu, c'est bien, c'est bien, bravo Banta capable Putain mais non, il peut pas le mettre en touche, ou le mettre en corner, ou, je sais pas, dégage le ballon, mais non, il préfère le garder le ballon, il a une pierre, et là, malheureusement, on prend le deuxième but. Bêtement. Putain, mais ça me truc de ouf. Il me rend fou, le cirque Saint-Germain. Là, je commence à un pute voir, mais là. Vas-y, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est, j'en peux plus, c'est trop, c'est trop, ça va trop loin. 38ème minute de jeu, bah ben là, le Paris Saint-Germain, on met un petit but. Non C'est bien pour une fois, vous marquez un but. C'est très bien Félicitations Et puis là, ce n'est pas fini encore. À 45ème et... minute de jeu, juste avant la mi-temps. Eh ben, qu'est-ce qui se passe Eh ben, on prend un troisième but On prend un troisième but, juste avant la mi-temps Mais non Le, pa... le cirque Saint-Germain, sont même pas capables de tenir euh, jusqu'à la mi-temps Des branleurs c'est des branleurs, des branle-guignols sur le terrain. Hein? Bah oui, continuez à faire les télétobis et les bisounours et tout ça. Bah ouais, on prend 3 juste avant la mi-temps. Vous avez pas honte C'est honteux Vous avez même pas mouillé maillot, non Vous avez pas de couilles Vous avez pas de couilles sur le terrain Bande incapable Bande de grosse merde, vous êtes Vous jouez comme des petites putes, vous jouez comme des salopes Comme des salopes Hein, deuxième période, ah, ben c'est pareil, ça n'a rien changé du tout. Les changements, j'en parle même pas, ça a rien changé du tout. Hein, et Bah ouais, faut laisser un peu de temps. ah, hein, faut, non! On laisse pas de temps, c'est terminé! C'est terminé, ça fait quelques mois qu'on a laissé un peu de temps pour critiquer. Hein, on va appeler, on va appeler, critiquer. Bah oui, on va critiquer. Il a rien fait, il est photomatique! J'ai vu 11 joueurs qui étaient photomatiques, ils étaient complètement à la ramasse! Bande de guignols, vous êtes. Ils ont fait de la merde en fin d'après-midi. Bah ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, Monaco, ils continuent à créer des occasions. Ils ont failli mettre un quatrième, un cinquième, un sixième, ou même pourquoi pas un septième. Hein? Bah ouais, encore heureux de Naruma qui avait sauvé deux, trois, deux, trois reprises. Bah ouais, sinon, sinon ils auraient fait un score de baby foot. Sinon il, aurait mis six, sinon, il aurait mis six ou sept buts pour Monaco. Hein, ils auraient fait humiliation. Mais là, vu que le Cirque Saint-Germain, ils ont joué comme des salopes, hein, comme des putes, bah ouais. Ils ont joué comme des petits chèvres. Bah ouais, des chèvres sur le terrain. Et puis là, bah vu qu'en deuxième période, bah le Paris Saint-Germain, il ne veut pas mettre à, euh, chercher un deuxième, un troisième, mais non. Ils s'en branlent, ils s'en battent les couilles, ils ont rien, à... ils ont rien à secouer. Bah oui, ils marchent en pantoufles, tiens regarde. Bah oui. Tac 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 Bah ouais, c'est les foutages de gueule ce qu'ils ont fait. Mais bah non, ils mouillent pas le maillot, ben bah non, des branleurs, c'est des branleurs. Ils marchent en pantoufles, ça trottine, il marche en zombie, ça parle pas, pas de rien, ils se réagit pas, rien. Que dalle pendant 90 minutes J'ai envie de gerber, ça me dégoûte Putain, mais ça me. Ça me C'est pas possible. Là, ça, ça va trop loin. Ça va trop loin. Et puis là, bah, score final, bah Monaco qui s'impose aux 3 busins 1 face au Paris Saint-Germain. Bah ouais. Des pots de fleurs. Des. Voilà. J'ai pas de mot, c'est. Bah ouais. Je vous avais dit qu'on va bien rigoler. Euh... Pour le, pour le match face à Monaco. Hein, parce que là, j'avais un petit doute. Parce que je me suis dit, là, je sens qu'ils vont faire un match de merde face à Monaco. Là, je ne sais pas pourquoi, mais on va bien rigoler. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a vu le cirque Saint-Germain. Qu'ils ont bien s'éclaté. Qu'ils ont bien s'amusé. On s'est pris 3-1 hein, comme, des, comme des salopes. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. bah ben, voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un match de merde. Ils l'assument. Et voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Bref, j'ai. Vas-y, j'ai pas plus à dire, vas-y. Allez, euh, bonne soirée.